j'ai confiance. En gros, je fais côté Pinos first. Après, il faut que j'arrive à voir un petit peu les items armure qui sont fine. Il n'y a plus l'Event Shroud. Ok, bon, vas-y, tout le monde ping retraite. Il faut que je regarde un petit peu les builds. Ça, c'est pas si insane, c'est pas énormément de stats d'armure. Après, c'est 2500 gold. Faut que je regarde un peu ce qu'on peut faire. Genre la plaque du mort qui est là. Après, Nightwalk coûte pas très cher. Je peux avoir aussi ce côté-là un peu supporting. Je suis en train de réfléchir. Tu avais dit cache map. Oui, pardon, pardon. Enfin, en vrai. Ouais, j'ai peut-être déjà changé d'avis, ouais. Ok, nice. Ok, nice. Il va devoir flash pour faire le kill. C'est ok, il fait pas le. Ah. Oh oh, ouais, il a raison de reculer. 5 gold. Jack Shaw est pas dégueu, hein. La Janna met les mauvaises auto-attaques. Ah bah compliqué après, hein. C'est pas évident à jouer. Mettre l'auto-attaque sur le bon perso. Ah, le sait en début de partie que mon Z est pas hyper value. Juste prendre un peu l'XP. Moyennement rentable ce creep quand même. Elle a pris cher. Merde, j'ai pas pris d'XP. My bad. Mais bon, mon Viego va pas gang top à ce moment-là. Ah, oh, je peux pas prendre celui-là comme XP non plus. Non, j'aurais juste dû attendre. My bad, my bad. J'ai pris trop cher là. Parce que là, du coup, je suis obligé de laisser un peu tous les creeps s'écraser. Je perdrai beaucoup d'HP si je vais les chercher. C'est pas bien grave hein, de pas avoir de farm avec Ramus. On en aura plus tard. La botlane qui perd. Après, ouais, pick Janna contre leur compo botlane. J'avoue que j'étais un peu étonné. Ça avait l'air d'être un peu la mauvaise draft. Ok. J'ai assez. Premier bac. En early compliqué. C'était pas étonnant. Je pense que Vayne, ça te trucide la tronche. Mais ça, c'est pas trop relou, Vayne. Non, ça va. Ça va, ça va. Parfait. Il me laisse un peu farm. Deux creeps, hein. Pas, pas, pas. Ok, il y a peut-être Maître Yi vers le topside. Là, on va commencer à avoir une belle wave. Pour ça, je suis vraiment en no panic challenge là. Mino panic. Je commence déjà à envoyer quelques damage. Mais je pense que Ramus va être beaucoup moins fort hein, depuis qu'il n'y a plus l'Event Shroud. Mais bon, il y a quelques compos où je vois pas pourquoi il serait mauvais non plus quoi. Genre là, Maître Yi, Samira, Vayne. Ça sera quand même très sympa. Ok, assez fait choper. Sans un coup de tourelle la prochaine fois je serai pas contre. Enfin, je sais pas si elle voulait faire la veine mais elle voulait le faire. Hein.
déçu. Aïe 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 aïe. Ah, la Lux, la pique aussi, il était bien nul à chier pour le coup, le pique. Bon, j'ai pas réussi à faire assez de dégâts. Bon, mon jungle qui a pas envie de gank ça. C'est des choses qui arrivent. Le proxy aussi sera plus compliqué, mais j'ai trouvé des moyens de plus faire de proxy en vrai. J'arrive à jouer sans proxy maintenant. Bon, je le sécure. À se préparer la wave derrière. À la Lux, ça marche pas très bien pour l'instant pour elle. Bot, ça a l'air compliqué. Ce qui veut dire une game pas facile, quoi. Top, ça va. Franchement, vous voyez le setting qui était dégueulasse en début de partie. Bon, on est toujours derrière, évidemment, c'est normal. Mais pas si dégueu. Oui, la Janna qui est full tilt, c'est pas étonnant. Ça se voyait que c'est un joueur qui... Il doit pas être content, parce que des fois, tu sais, quand tu te prends pas des low boosts gratos comme ça, t'es un peu dégoûté. Pourquoi tu préfères Rammus à Malphite dans cette game? Parce que si tu regardes la draft, touf, il est ban Malphite. Sinon, j'aurais préféré Malphite. Malphite dans Vayne, c'est plus simple à jouer. Mais généralement, les OTP Vayne top jouent. Enfin, ban Malphite. Quand je dis OTP, les gens qui veulent pick Vayne top. Ça va être très chiant pour le speed push, hein, par contre. Les petites bêtes, ça va apporter encore plus de force. Après, je peux bien gérer le speed push normalement, mais bon. Ah, je l'ai juste report, je l'ai pas. Mute la Janna. Erreur de débutant. C'est pas mal ça. Un petit coup de tour en plus. J'ai pas le DPS pour la tuer, mais ça commence à être pas mal. Ce gameplay me met toujours très bien. 1 minute 30 à tenir par contre. Ah, au niveau de la ward, c'est trop chelou en fait de ward le bush. Alors j'aurais pas dû poser comme ça, ouais. Enfin, je regarde un petit peu comment on pourrait positionner nos wards un peu. Vouloir prendre la tourelle. Ok, nickel. Ah, bon, nickel. Putain. Ah, j'ai aucune chance de m'escape là. Ah, fais chier, le maître Yi était vers le topside encore. Bon, j'ai réussi à lui faire claquer le ghost, à lui faire claquer le flash, à lui faire claquer l'ulti. Mais le maître Yi, ouais, ça fait deux fois qu'il vient. C'est dur. Et elle reste top parce que forcément, elle a... en plus de ça, elle est pas très dure à gank, ouais. Elle joue pas de fou pour l'instant, la Vayne, hein. Nice, c'est bien ça. Bien joué, l'équipe. Hop là. Nouvelle saison, toujours pas de jungle. Bah, ça fait 3 games où le jungle adverse est fait par rapport à mon jungle, ouais. C'est vrai. J'ai pas ping le ghost parce que le ghost doit bientôt être re-up là. C'était tout à l'heure que je l'ai ping. Je vais prendre une plaque. J'ai ma plaque d'os. Ma Sunfire. Allez. Ah, j'ai plus beaucoup d'items. Le petit Z en mode. Et je recule. Ma petite côte épineuse. On est bon. Ça se passe bien au top. Le Ezreal est overfed. Donc ça, c'est cool.
Bon, Maître Yi aussi est bien. Ça, c'est moins cool. Oh, le Ezreal, ça se voit qu'il joue en plus, hein. Il a joué le S là-dessus. Non ! Flop GG. Comment ça, elle a pu mettre l'auto ? Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Oh nice, par contre, il y a eu un gros shutdown. Elle a pu mettre son E tellement late, je trouvais. Je pense que c'est un... Ça se met quand même en timing. Comme c'était calculé. Oh, j'ai perdu mon flash de la pire manière, chat. Il va me coûter cher, ce flash raté. Ok. Gomme est trop heureux de trade sans bouger, mec. C'est tellement la meilleure mécanique du jeu. Quand tu vois ton adversaire en mode, bah... Je vais faire quoi, l'eau. Je suis sûr que la chaque chose soit le meilleur item en soit en deuxième, par contre. Attends. Qu'est-ce que ça pourrait être, sinon? Prendre 1, c'est bien, hein. On va récupérer les autres. On en a combien? 2. C'est bien 2. C'est déjà ça. C'est mieux que 0. Ah, je peux pas voir combien eux ils en ont. Ah bon, après c'est les maths, ils en ont 4, mais. Ok, je commence à avoir mes petits buffs. Ouais, 2 c'est bien, ça permet d'éviter clairement que le pop du petit void qui permet de faire un gros taf. Et c'est une char. Un ending disperse, j'ai vu, mais je suis pas convaincu sur Amus. Je sais pas. Voilà, la Vayne a fait les deux auto-attaques les moins rentables, c'est la troisième qui l'est un minimum au moins. Mais bon, si elle appuie pas, je vais pas me plaindre. Ça me fume à quel point elle peut pas jouer. Je vais faire claquer son ghost. Pas qu'à faire, on se fait plaisir. Faire plaisir dans la vie. Y a pas le Rammus. Le Rammus, le Maître Yi. Ça me fait tellement plaisir les gens de marcher sur des Vayne top. C'est trop agréable. Ok, mais j'ai mes bottes de péné magique. Vas-y, je vais l'essayer. C'est quoi, on va l'essayer l'item. Et après, je fais une Jack Show à la limite, tu vois. Là, la Vayne, elle est en mode pitié, swap avec la Cinder. Et d'ailleurs, s'il l'avait fait... Ok, nice. Let's go. Let's go, la team. Là, j'ai le même CSing. Je lui ai pris... J'ai pris quoi? 3 plaques? 3 plaques. Alors, elle en a pris une ou deux. Bah, l'item me permet de régénérer un peu. C'est des HP, c'est de l'armure. C'est pas beaucoup d'armure, quoi. C'est ça, le truc. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'item full armure comme on aime. Bah, si, le cœur gelé, mais c'est pas un super item... Ok. Ah. Pourquoi j'ai pas air avant? Aïe. Bon. Ult. Ult. Et on a survécu. Gassus back. La fin du rêve. Ça roule.
Le petit hôte, le monsieur, il était en mode, bon, en fait, j'y vais. Eh bien... Pris un peu cher, mais... J'ai bien terminé. La première victoire de la saison, les potes, ça va être sur Amustop. Oh, attends, c'est pas encore win, c'est pas encore win. Boum boum. Merci beaucoup pour le sub, merci White Save, merci Niro, merci beaucoup les gars. Vous régalez de fou. Tous les items donnent 40 d'armure en vrai, ouais c'est ça, je me dis Par contre il y a des HP avec, du coup c'est pour ça que la Jack Show peut peut-être être intéressante hein. Mais il faut la Jack Show rapidement quoi. Ça peut être cool. Killing spree. Let's go. Putain, j'ai perdu mes deux fucking games en jouant trop bien. Il faut que je fasse une superbe game review où j'appuie sur Z. Mais c'est bon, on lève la malédiction en fait. Pour moi, c'est pas une horrible game Ramus. C'est jamais une horrible game Ramus. Les petits coups de tête de Ramus, ça va être trop bien. Comment ne pas être heureux avec ce gameplay? Ce brave gameplay. Putain, j'ai envie d'acheter le Nightvow aussi, en vrai, mais... Nightvow sur le Ezreal... Chaque chose en son temps. Oh, Nightvow, quand même. Je pense que c'est de la merde, ça. Hein. Je vais faire Jack Show maintenant. Non, Jack Show, il y a un vrai truc et l'autre item, il apporte pas grand chose quoi. Salut mon pote. Ça flop là. On est bien. On peut voir les stats qu'on a fait avec. Oh non, on voit pas les stats. C'est dommage. J'ai envie de voir à quel point ça peut être rentable. En appuyant sur match, je vois pas là le... Ah si, on voit, j'ai rien dit. 122, healing, receive, ok. J'ai rien dit, envoyé. Je vais aller dev top. On est bien. Y'a des essences sur la map, ouais, je sais pas pourquoi y avait des trucs infernaux sur la map. Ça fait quoi? Faut que je les ramasse? J'imagine, ça doit donner des bonus permanents, mais... C'est le Drake, ouais, j'ai compris ça, mais... Ça a l'air d'être un truc à la barde. Definite has increased ability haste. Ah oui, donc c'est vachement important de ramasse. Acidix Boy. Ça donne 0,3 de CDR à chaque fois. Pas dégueu, hein. Là je viens de gagner 1 quoi. En bref, faut pas faire que ça tu vois, mais j'avoue que si c'est sur le chemin...
j'avais envie. Tu retournes les top viteuf. Tu joues bard avec ce Drake, t'es perdu. Enfin c'est fini. Tu fais que de te balader sur la map. Tellement facile de le setup. C'est vrai que sans les Vunchrod, tu sens qu'il manque le petit truc du mes teammates vont faire plus de damage, mais ouais ça va, c'est fine. Je suis en train de carry la game, ça me met très bien. Bon, mon Israel a l'air d'être god tier, donc tant mieux. Hein. Mais je suis si à l'aise dans la partie. La Vayne, elle arrive pas. Oh, une Vayne top qui se fait péter le cul, ça me met très bien. C'est très satisfaisant. J'appuie sur mon set très light. Vroom vroom. Ouais, c'est un peu risqué après. J'avoue, après ça devient risqué. Bon, moi j'ai mon item. On va voir avec la chaque chose que ça rapporte en vrai en termes de stats. Elle a collé le mur là. Elle était pas à l'aise. Là, je me dis, tu vois, une plaque du mort, des trucs comme ça, on sera bien. Hein. Donc, la wavebot est déjà bien push. Je suis level 14, donc XP, on est bon. On a fait claquer le flash à la téléporte de la Syndra, donc les sides on est bon aussi. Pour mettre de la pression bot side si j'arrive à choper la veine par exemple. Je te jure la veine elle a pas envie de jouer la game là. Elle en pouplou. Ah c'est derrière. C'est ton cul. Ça donne envie d'avoir une Sunfire quand même dans ce moment là quand tu peux pas taper les creeps. Enfin, quand eux ne peuvent pas te taper plutôt. En plus, ça donne de la move speed. La map, elle est marrante en vrai. Ils mettent la Syndra en face de moi, normal. Tut tut. Je crois qu'ils veulent mon cul les gars. Ah, je crois qu'ils le voulaient ouais. Ils avaient faim là. Pouah, c'est la pire mort. Ça reste ok. Ok ça va. Oh, la mort était nulle par contre. T'avais 880 d'armure d'armure à un moment donné. T'as vu les deux autres attaques qu'elle a mis la Syndra. Elle s'est fait arracher. La Syndra elle a pris trop cher. On voit plus les damages que la spawn mail procure. Non. Big nerf. Non, on voit plus que les heals. Riot, mettez les damages. On s'en bat les couilles du reste. On veut voir des dégâts. Je veux voir si je fais mal. Oh, c'est un big nerf. Ça met trop voir. Ouais, t'as fait 9000 avec l'item. T'as... il a été bien rentable celui-là. Je pense qu'ils vont le remettre. À mon avis, ils ont juste planté le truc. C'est une stat qui était logique en plus. C'est un item défensif damage. On fait les deux. Dommage. Et tomber sur un joueur qui doit jouer que des maîtres Yi. Et l'autre qui a un OTP Vayne top. Et tomber contre un joueur de Rammus top lane. C'est unlucky mais c'est marrant. Il est en mode Ok, je me suis fait Je mérite. Ah la Syndra elle est pas cool. Ah le Drake a été volé par Samira, j'ai vu.
Syndra, c'est un peu mon petit problème. J'avoue que niveau damage, j'avais pas plaisir. J'ai mute all ou la game est très chill? Ah, y'a que la Lujana que j'ai mute et en fait les gens jouent juste. Ça fait plaisir. J'aime bien quand les gens y jouent. J'ai l'impression d'avoir mute all tellement c'est chill. Ah, le maître Yi, il suffit qu'il y ait un mec à côté de moi, un de mes teammates et il meurt normalement. J'ai pas besoin de TP. Tu t'es defun? Non, même pas, ouais. C'était la game de tout à l'heure qu'on a defun. Non, juste ça chill. J'aime bien moi quand il y a une ambiance comme ça, tu sais, un peu tryhard. Bon, j'avoue que ça communique zéro même, mais au moins ça joue. La veine qui est bien à outpose, il y a le maître qui arrive. Ah merde. Elle me R on CD, mais mon Z me permet de tanker quand même. Hein. J'ai quand même de la MR, madame. Madame. Je reste au corps à corps. Je suis dans le corps à corps. Début de saison, les tryharders et les gens qui jouent pas, des bots Hello Inflated qui pleurent, ça fait plaisir. Ouais, y'a de tout. De tout pour faire un monde. Ouais, restez pas dans la zone, c'est... Ça y est, les gens vont devoir faire du PvE sur LoL aussi. Ça, c'est bien. Le karma qui a failli... Genre, la Janna, elle peut se mettre en frontline pour voir ce que ça fait. Oh merde, je regardais pas. La Janna, elle avait pas trop envie. On a peut-être un petit peu troll, là. Bad Janna, ouais. Ouais, la Janna aurait pu tanker. Oh, y'a des petites âmes autour d'elle. C'est peut-être la game, ça peut coûter cher. Mais ouais, la Janna aurait pu jouer, la Lux elle l'a pris. En fait, maintenant les spells du Nashor vont être des trucs qu'il faut dodge. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool en fait qu'il y ait un peu ce truc là. Parce que c'est vrai qu'à part le bump. Ouais, bon, c'est la Janna ça qui veut FF. Mais lui il a débuté sa saison, il est mentalement pas stable, genre. Et c'est bien, moi j'aime bien que le Baron il soit un vrai aspect PvE, tu vois. Bon, c'est pas si incroyable ma Nightbow en vrai. Ils vont avoir sûrement le baron, après ça peut-être ce style, mais c'est pas évident. Last try. Elle a bien sidestep, mais elle s'est pris l'ulti. Ah, et elle a le skill shot. Il est allé loin lui. C'est qui allait dans la full mêlée? J'ai pas suivi, c'était qui? Oh, la veine commence à être bien faite. Hein. C'est qui allait là-bas là? J'ai pas vu qu'il est mort, mais il est parti loin. Oh no. C'est la Lux qui était là-bas. J'aurais dit Viego au début, mais bon. Qu'est-ce qui a branlé là-bas, la Lux? Elle a full smork. Elle était dans la mêlée, genre. Ah, la glissade de la game. Ah, c'est dommage, si Janna avait connu le PvE, on aurait pu mieux faire le baron. Mais après, on ne devait pas le faire dans tous les cas. Oh, j'ai pas envie de perdre contre cette Vayne, elle était en 1-6 frère. Elle est en train d'essayer d'optimiser son DPS pour des moves inutiles.
Ok. C'est moi où je perds de la CDR. Ah, mais ça. Ok, quand tu meurs, tu perds des stacks. Ok. Makes sense. Je suis en train de me dire, bah, j'en avais plus tout à l'heure. Ok, c'est pas si incroyable que ça, heureusement. Parce que je me disais, t'es un peu crackbroken sinon et un peu bizarre, mais. On va essayer de end. Après, le S est bien encore. Oh, il a. C'est pas bizarre, Hydre profane sur Israël? Comment il le proc? Ça proc pas sur un range. Ça va proc au corps à corps de lui. Après, peut-être que juste les stats de l'item sont big. C'est vrai que les stats sont big. Hein. Hop. Ok. Et brave gameplay de ma part. Ah, c'est bien. Lui, c'est vrai qu'elle a juste à sniper à côté de moi. Ça met plutôt bien. Par contre, ouais, le S est parti un peu loin. Putain. Chier. Oh, le Ezreal, l'outpost de zinzin qu'il a fait. Bon, elle s'est chauffée. Ils vont pas réussir à finir la game avec ça. Oh putain non. Oh le hint. Le hint, le hint, le hint. Ah le S il a full. Full rundown là. Ah, allez essayez la Janna de m'aider. Ok. Putain. Avec la luxe. C'est du gros grid. Non, non, non. Oh putain. J'ai vraiment vu. Heureusement qu'ils ont fui. Hein. C'était la fin de la game. J'ai vraiment vu la mort. Ah, y a pas grand chose à chase les potes là. On a pas perdu la game sur ça. Mais bon. Oh, je vais pas perdre cette game. C'est pas possible. Pitié. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut, genre le maîtriser, s'il court là, c'est fini la game, les gars. Ah bah, il avait envie, tu m'étonnes. Ah, trop, trop de points de vie. Sinon, ça fait mal, mais maintenant, la vache. Ah ouais, non, ça fait vraiment, vraiment mal. Je me dis, un petit item low cost à la limite. Mais ouais, mais. Fin de la game. Chier. J'aurais pas dû suivre le S là-dessus. Mais j'avoue que là, bon, bah, dommage. Il était overfed, il a fait deux moves de merde d'affilée.
C'est comme ça. Ah, attends, en vrai. En vrai, il y a Counter-Throw, peut-être. Je sais pas si ça passe, mais... Ah, ils font juste backdoor. Ah, ils ont foiré. Ils ont raison. Hein. Elle a bien snipe, mais... Ça paiera pas. Dommage. Enfin, 0-3, les potes. Ouais, l'Israël était trop fort et il a fait deux moves de merde d'affilée, quoi. Il a fait deux moves de merde, mais bon, bah, 50 minutes de jeu, quoi. Enfin, j'exagère, mais en late game, quoi. Deux moves de merde en late game, ça coûte très cher. Ça se passe bien, ça se passe bien. Mes games se passent très bien, donc... je vais y arriver, je vais y arriver. Pour l'instant, on a fait trois bonnes parties. C'est vrai que, bon... On a joué contre trois... Enfin, c'est surtout qu'on a fait trois adversaires, on les a mis en slip les trois fois, quoi. On a mis en slip trois fois nos adversaires. Si on pouvait gagner des games... Je dirais pas non, quoi.